Alors, défi des 100 jours, donc c'est la saison 9, nouveau concept. Ça devait être ça, je regarde. Je vais prendre mon temps, c'est ça qui est bien. Donc voilà, donc je suis presque à la moitié de ma saison 9. Donc là, je reviens d'un week-end où j'étais à Paris voir Ama. Et c'est la deuxième fois que j'y vais. Et ouais, c'est ça, saison 9. Et waouh! Mais franchement, c'est quelque chose à vivre et au moins à connaître. C'est quand même super intéressant de voir une femme. Enfin, c'est pas dans le sens une femme, hein. Ça me demandait, c'est comme plus qu'une femme. Enfin, une femme qui est très. La puissance de sa compassion, quoi. Elle est divine, voilà, c'est dans ce sens-là. Pas dans un sens péjoratif du tout, parce que waouh, je suis impressionné par la capacité d'action, quoi. C'est d'ailleurs ça vend beaucoup de t-shirts, tout ça, c'est la compassion en action. Et ouais, c'est magique, il y a une puissance d'amour énorme, et c'est ça, c'est surtout que c'est très très réel, concret, quoi, au niveau de l'aide dans tous les pays, au niveau du monde, tout ça. Pouah, mais elle dépote, c'est une femme magnifique, quoi. Donc génial, quoi. Donc c'était mon deuxième darshan, parce que c'est la femme qui fait les câlins. Donc elle passe quand même à la télé, tout ça, c'est bien, c'est ouvert. Et ouais, oh, c'était magique, très très très, très fort. J'ai revu des vieux amis, j'ai fait une nouvelle connaissance, pardon. Je suis parti en groupe aussi, au minibus de 9, ça aussi, hein, c'est bien. Bon, bah, je m'étale un peu après, voilà. Mais voilà. Donc sinon, par rapport à mon défi, j'ai retrouvé la vue, j'ai des nouvelles lunettes. Voilà, par rapport au défi, les rapports. Bref. Donc voilà. Et alors, pour ça un peu plus concret, donc là j'ai commencé mon déménagement. Voilà, donc ça va être une belle expérience. Ça va être une belle expérience, très très riche déjà. Cohabitation féminine. Donc je suis très très heureux, ça bouge énormément pour moi. Voilà. Sinon, tout de même, hein, l'avantage, c'est que j'avais pas écrit grand chose dans mon truc. C'était un peu paf, 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 mimé. Et voilà. Donc voilà, donc ça, je suis très, très heureux. Parce que du coup, j'avance beaucoup. J'ai libéré encore beaucoup de. Beaucoup, beaucoup. Et oui, donc c'était quand même. Si, si, une des lignes de mur, c'était l'ouverture du cœur. Donc c'est vraiment ça. Et. Ça contribue encore à sentir ça. J'ai chanté mon chakra du cœur. Comme quoi, j'en ai encore un peu lourd sur le cœur. Encore des choses qui l'empêchent de tourner à fond. Mais je commence à. C'est monté à la conscience, vraiment le cœur. Je suis vraiment dans ça. Et ça me rend très très heureux, très très. C'est cette puissance très très calme et vraiment d'être là aussi en même temps. C'est magique, quoi. Et pour ça, ça me demande encore d'acquérir certaines choses. C'est ce que m'a dit cette rencontre. Vous connaissez peut-être Franck Dumouya. Un peu déroutant, comme homme dans le bon sens. C'est un bébé homme. Qui laisse pas indifférent. Déjà bien, bien ouvert. Et ouais, vraiment, c'est parler ça, accepter d'accueillir. C'est ce que j'avais besoin d'entendre. J'avais pas plus à dire, voilà. Donc ça c'est voilà. Oh, c'était magique. Gold Digger Prank. Gold Digger Prank. Xavier Boss, c'est un email que je retrouve. Donc là j'en profite parce que je peux faire un peu long parce que je vais avoir une connexion internet
plus rapide maintenant, j'ai plein de trucs qui changent, je vais avoir la vaisselle, beaucoup plus d'espace, hein, 3 fois plus grand. Et après, en plus un grenier, j'ai trop envie de faire plein de trucs dedans. Voilà, je vais vous présenter ma... une petite statue d'Amor. Donc voilà, franchement, essayez, tapez à moi si vous connaissez pas. C'est la mère divine. J'aime beaucoup aussi la chanson, ils ont fait beaucoup de chansons. Enfin, allez sur le site, tout tapez à moi ou à moi.org, ça tourne un truc comme ça. Et ouais, c'est génial. Donc voilà, donc mon défi, ça se passe très très bien. C'est une bonne évolution. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je pense que c'est bon, hein. Relation à l'homme. Bah oui, j'arrive plus à être avec... être dans l'homme, hein, vraiment distinguer, être plus dans le réactif, incarner plus l'homme. Ouais. Moins enfantin, ça c'était ça, ça a fait accent là-dessus aussi. Parce que c'est une grande capacité à donner comparé à l'enfance, ça. Faire le don d'amour. Et ça demande, ouais, d'être là et d'être bien l'homme. Certaines puissances, voilà. Habilité et un calme, un aplomb. Qui... Voilà, il y a aussi un truc qui est très important, hein, qui est bien là. Souvent, on a notre mental, hein, les émotions. Et c'est comme dit Ajahn Chah, quand ça vous vient à l'esprit, ça vous regarde pas. Vous me dites ça, c'est... ça ne me regarde pas. Donc là, j'ai observé beaucoup de ça, donc beaucoup d'émotions et tout. Et j'ai observé qu'il y a un... en fait, il y a un... on a un grand pouvoir, c'est qu'il y a un laps de temps, en fait, faut pas mordre dedans. On a un grand espace, au lieu de paniquer et aller tout de suite, en fait. En fait, c'est nos émotions qui nous font paniquer. Non, non, c'est... on laisse un temps, en fait, on les suit pas, quoi. Et du coup, on... du coup, en fait, on... du coup, on crée autre chose après. Enfin, c'est... ça se fait naturellement, plus sereinement. Alors qu'on aurait pu mieux, voilà, c'est ça. Donc, franchement, beaucoup de patience. Et juste être là. Et vous êtes... et là, c'est gagnant. C'est le jackpot. Salut. Bon défi à vous.